Eh bien, eh bien. Huggy veut jouer, on dirait. Qui on a là? Hein? Je vous ai eu. C'est qui le prochain sur la liste? Les pauvres. On va continuer. Chut. Maintenant, il y en a une qui va avoir peur. Oh oh! Hé, hey, tu vas où? Rosie, quand elle est amoureuse, est plus flippante que n'importe quel monstre. Heureusement, tu peux te cacher d'elle chez Monster Incorporation. Ah, il peut enfin regarder un peu de Troom Tube. Ouais! T'es là! Je t'aime! C'est pour toi! Comme c'est mignon! Oh, c'est qui? Les monstres de l'univers Troom ont une réunion. Salut! Bon, on n'a pas besoin de ça. Asseyez-vous. D'abord, quelques statistiques. On va résumer. Huggy Wuggy est plus flippant que n'importe qui dans cette pièce. Oh, Rosie a préparé un repas pour son terrifiant amoureux. Ignorez-la. Hé, hey, vous allez où? Wow! Rosie a effrayé tous les monstres. Oh, l'agent de sécurité est arrivé. Et j'ai commencé à rugir et tout le monde s'est enfui. Enfin, bref, je suis plus flippant que tout le monde. Super histoire! On dirait que Huggy est un peu fatigué. C'est l'heure de faire une petite pause. Oh, Rosie est déjà là. Elle aimerait bien changer le look de son monstre préféré. Super! Elle a trouvé la plus belle coiffure. Hey! Hey! Huggy dort pendant qu'on s'occupe de ses cheveux. Wouah! Super résultat! Oh oh! Il est temps pour le monstre d'aller faire peur aux gens. Une minute de panique. Ça va être marrant! Voici la nouvelle victime de Huggy. Hé, hey, t'as pas peur ou quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oups! Avec des cheveux aussi mignons, Huggy ne peut faire que rigoler. Rosie essaie de s'amuser de son côté. Oh, Huggy est revenu. T'as perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tiens, c'est à ça que je dois ressembler. À cause de toi, on s'est moqué de moi. Oh, c'est rien. On doit vite prendre un selfie ensemble. Waouh! Mais c'est Huggy Rock Johnson. Huggy a décidé de manger des bonbons. Sérieux, pourquoi s'embêter? Oh, qu'est-ce qui se passe? Huggy a mal aux dents. Aïe, aïe, aïe! C'est la cata! Qu'est-ce qu'il va faire? Eh oui, il a urgemment besoin d'une aide dentaire. Le médecin est déjà arrivé. Ça fait trop mal! Au secours! Une minute. Aide-moi, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Une pantoufle? Sérieux? OMG, il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Oups, un numéro de cirque médical. C'est incroyable. Il y a quoi de coincé là? Waouh, le masque de l'agent de sécurité. Oh, et voici son propriétaire. Waouh, sacrée machine. Maintenant, Huggy va aller mieux en un clin d'œil. Et voilà, t'es réparé! Un vrai sourire hollywoodien. La dentiste Rosie a fait un excellent travail. Mais on dirait que le patient n'est pas content du résultat.
Un vrai monstre doit avoir des canines acérées. Huggy devrait pas porter de vêtements déchirés. Rosie va arranger ça. Il y en a un qui va avoir une surprise. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Où est mon costume? Regarde comme c'est mignon. Chaque patch a été cousu avec amour. Allez, vas-y! Le monstre a décidé d'effrayer les participants intrépides de Squid Game. Mais c'est raté! Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Suivez-le! T'as perdu la tête? C'est des cœurs, ça? Je suis un monstre! Quelle odeur! Ce costume doit être lavé. Hey, tu l'emmènes où? Horrible, mais quelle puanteur! La machine à laver va s'en occuper. Oh! Ça fait tourner la tête! C'est bon! Oups, ça a rétréci. Où est mon costume? Mouais, Huggy n'est pas fan des fringues miniatures. En tant que vrai monstre, Huggy s'y connaît pour effrayer les gens. Rosie est toujours là au mauvais moment, au mauvais endroit. Je veux pas de sneakers. Il voulait leur faire peur, mais il a fini par les faire rire. T'énerve pas, chérie. Je m'en occupe. Rosie sait comment s'y prendre avec ses durs à cuire. Et c'est pas tout. Hein? Quelle horreur! Le wifi gratuit n'existe plus? Comme c'est dommage! Cool! Tu t'en es bien sorti avec eux. Allez, à toi! Oh, une minute. Maintenant, tout est à sa place. Il a réussi. La serveuse est horrifiée. Bien joué, Huggy. Mais en fait, elle a eu peur des fake news sur la séparation de BTS. Bonne nuit, Rosie et son monstre préféré. Hé, Huggy, qu'est-ce que t'as? On dirait qu'ils font le même rêve. Huggy avait une vie heureuse et insouciante jusqu'au jour où il rencontra Rosie. On ne peut pas échapper à son véritable amour. Et leur poursuite romantique se termina devant l'hôtel. Sortez les alliances! L'alliance. Super, la voilà! Et le plus important, c'est que ça lui va comme un gant. Quel moment touchant! Ils sont tellement heureux ensemble. Waouh! On se croirait dans Titanic, mais avec une fin heureuse. Incroyable. Oh non! Quelle horreur, quel cauchemar! Ah, oh, il peut continuer à dormir. Mais sans la couverture, par contre. Parfois, on est tellement pris dans le monde de la musique qu'on ne remarque rien autour de soi. Trop flippant! Même Iron Man va rien pouvoir faire. Oh, mais il y a un petit souci. Le monstre est coincé. Au secours! Comment il va ouvrir ce casier? Hé! Hey, t'as vu le mot de passe du casier, toi? Dis-le-moi en commentaire. Il est pris au piège. Dis bonjour à Bob Hunter. Et Rosie et sa fille adorée. Papa, je veux te présenter quelqu'un. Ah!
C'est terrifiant ici. Waouh! Huggy est venu chez celui qui le cherche depuis si longtemps. Super! C'est lui qu'il me faut. Que la chasse commence! Attends, attends, arrête! Oh, c'est sans espoir. Cours, Huggy, cours! Vaut mieux changer de sens. Aïe! Est-ce que c'est la fin? Non, s'il te plaît, fais pas ça! Non! Le touche pas! Sacrée péripétie! Qui va gagner cette épreuve? La compétition est très tendue. Surtout pour Rosie. Huggy fait une visio sur Zoom. Ah, c'est Poppy! Et ouais, c'est moi le plus cool ici! J'ai même un trophée du monstre de l'année. Y'a personne de plus cool que Huggy. Hé, c'est qui ça? Et je veux aussi... Va-t'en d'ici! Je vais te faire un câlin. Mon bébé! Poppy n'a jamais vu quelque chose d'aussi horrible. Hé, pourquoi t'es parti? On n'a pas fini de discuter. Écoutez, tellement de choses me sont arrivées à cause de cette fille, Rosie. Elle m'a fait une horrible coupe de cheveux. J'ai enfilé un costume ridicule. Je me suis mariée dans un rêve et j'ai failli avoir ma tête sur le mur de Bob Hunter. C'est dur d'imaginer quelque chose de plus flippant que ça. Vous imaginez ce que j'ai traversé? C'est trop! OMG, mais c'est qui ça? Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Coucou! L'amour, c'est le pouvoir le plus effrayant de tous.